Bonjour et bienvenue sur une fonction un outil d'Excel en trois minutes ou moins au menu du jour on s'intéresse à la fonction min si ensemble alors, min si ensemble ça fait quoi Eh bien ça va chercher la valeur la plus petite qui respecte au moins un critère parfois c'est deux parfois c'est trois parfois c'est 256 critères alors ici on cherche à avoir l'homme le plus jeune l'âge de l'homme le plus jeune dans le service commercial Eh bien on va dire min.si donc, on a deux critères. Il faut que ce soit un homme et il faut qu'il soit dans le service commercial. Tout d'abord, on commence par la plage mine. Donc, dans notre cas, ça va être l'âge. Donc, on veut l'âge le plus petit. Donc, on commence par la plage des âges. Ensuite, on va commencer à mettre en place nos couples de plage critères et critères. On commence par celui qu'on veut tant qu'on respecte les couples. Dans ce cas-là, on va commencer par service. Donc dans le, la colonne service, ce qui nous intéresse, c'est le service commercial, en tout cas dans cette colonne-là. Je vais figer en colonne, pourquoi Parce que euh, j'ai envie de tirer vers la droite et juste changer homme en femme euh, après, donc que, que ça reste bien sur le service. Et ensuite, bah, deuxième couple, ça va être homme-femme, donc le genre. Que je vais figer aussi parce que c'est toujours au même endroit. Et cette fois, vu que je pas marquer quelque part homme, je vais l'écrire moi-même homme. Donc là, il me dit euh, le plus jeune homme au service commercial, eh bien, il a 56 ans. Peut-être parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et ensuite, on tire vers le bas et en finance, le plus jeune homme, il a 26 ans. Très bien, alors comme je disais tout à l'heure, vu que j'ai bien géré mes dollars, je vais tirer vers la droite. Bien sûr, il va me donner exactement les mêmes résultats. Je vais juste changer le ho par un FE. Et on dit que la dame la plus jeune dans le service commercial, elle a 42 ans. Par contre, en finance, elle a 28 ans. Voilà donc pour la fonction min si ensemble, donc un petit peu la même structure, même beaucoup la même structure que maxi -si ensemble, moyenne si ensemble, somme si ensemble, etc. Donc euh, vraiment euh, les mêmes structures, c'est juste les résultats qui sont différents. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.